Coucou les filles, c'est Camille. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier numéro 8. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis sur les rotules après avoir bossé et passé 4 heures au service orthopédie. Ça y est, et monsieur Camille n'a plus son plâtre. Vous verriez l'état de son pied. On a l'impression qu'il y a une espèce de couche dessous le pied. Enfin bref, je vais vous passer les détails. Ceux qui ont un plâtre peuvent l'imaginer. Voilà, mais il a récupéré son pied, donc il ne s'est pas encore marché tout seul. Ça sera long, mais c'est déjà mieux. Voilà. Numéro 8 de Blissim. Hop, c'est... En plus, là, Chloé, elle est partie, machin. C'est écrit en petit... Un traitement sans rinçage avec 10 pour les cheveux. Voilà. Voilà. Donc sans rinçage, je pense que c'est à mettre sur les cheveux après. Ça sera, c'est toujours une bonne idée des soins pour les cheveux. Allez, comptoir du scrap. Ou ben, comptoir du scrap. Ah si, c'est un die, j'allais dire. Il n'y a pas grand chose dedans, mais si, si, c'est un dice. Je le sens sur le côté. Que c'est... Ah, j'ai oublié de vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai fait quand même mon petit tag tout à l'heure à midi quand je suis revenue, enfin une heure, avant qu'on parte chez le chirurgien. J'ai fait mon petit tag. Voilà, numéro 7 avec le magnifique flocon qu'on a eu de comptoir du scrap. Voilà, je l'ai embossé sur du noir. Et là, je l'ai... comment ? Tamponné avec le pochoir de Arbaï Marlène. Vous voyez, regardez, ça vous fait des magnifiques petites boules. Donc là, vous pouvez les découper, les mettre l'une sur l'autre, hein, et puis mettre un petit flot. Et ça sera, de toute façon, dans mon December Daily. J'ai commencé, mais j'ai commencé que succinctement. J'espère avoir plus de temps bientôt. Voilà, mon anneau pour... et puis... Happy Little Fox, c'était des embellissements. Voilà. Donc, super. Toujours aussi chouette. Des belles choses. Aussi bien l'un que l'autre. Il y a vraiment des trucs sympas. Comptoir du scrap. Je sens que c'est un dies. Donc, c'est un dies. C'est un dies qui fait des petites étoiles. Voilà. Qui doit pouvoir faire une petite bordure. Je pense. Voilà. Donc, bah, je testerai sur un petit tag demain. Ou après-demain, je ne sais pas, peut-être demain, que j'aurai plus de temps. Happy Little Fox, on a des petites étiquettes sympas, des belles couleurs. Hein. Nous, Zoom, tendresse, toi et moi, doux bonheur, ensemble, 100%. Voilà, donc ça, je ferai bien une petite page. D'ailleurs, j'ai fait une bleue la première. Je pourrais peut-être même déjà m'en servir. Voilà, des petites étiquettes Puffy. Voilà, c'est super sympa. Elles sont toutes mignonnettes, couleurs toutes douces comme ça. Non, elles sont sympas. Elles sont sympas. C'est super sympa. Ça fait 3 fois que je le dis. Chez Arbaï Marlène, je suis toujours aussi fan de ces petites enveloppes. Franchement, j'adore. Il faut vraiment que je trouve à faire un petit... je sais pas. Un petit. Et on a un pochoir. Hop, si je me tourne, vous voyez que le fond rouge derrière. Regardez, super sympa. Trop chouette. Ouais, vraiment, je regrette pas. Il n'était pas très cher en plus. Je crois une vingtaine d'euros. Je sais pas s'il dépassait les 30 euros celui d'Arbaï Marlène. Il faudra que je regarde. Mais vraiment bien. Trop contente. Après, Aurélie. Numéro 8. Il est comme ça. Avant de regarder l'indice. Ça va coûter une lumière. Non, moi je pense, je sais pas, je sens, je vais regarder l'indice. Hein. Oui, je vais tricher, je vais pas tricher, je vais regarder l'indice numéro 8. Je pense qu'elle a customisé une bouteille. Non ? Lui, il est déjà en train de dire super, on va boire un coup. Mais moi, je penserais plutôt qu'elle a customisé une bouteille pour en faire... non ? Un petit truc comme ça, je ne sais pas. La petite boule où je vais récupérer la petite étoile. Bien sûr. Un petit coup de paillette
Pour ne pas changer. Alors. Ah non, ah ben non, t'as, c'est toi qui avais raison, chérie, je pense. Ouais. Nectar de Normandie. Ben non. Mais non. Ah ben moi, j'aurais plutôt pensé à du pommeau, du cidre de pomme. Ben, la Normandie, c'est le cidre. C'est la Bretagne. Non. Normandie, c'est... Ah bon. Ben, je sais pas, moi, le pommeau, les choses comme ça, là. Ah oui, c'est de la goutte, le pommeau. Oui, tu m'as pas offert une bouteille de goutte. Bon, on est quand même, en tout cas, dans la boisson. Non, mais le cidre, c'est ça peut être du cidre. Du cidre, une bouteille de cidre. Alors, moi, j'en bois pas, mais mes enfants et... Wow. Alors, ça, c'est pas moi, mais ça, c'est mon cadeau de Noël, Chloé. Touche pas. J'ai reçu mon cadeau de Noël. C'est quoi? Alors, Ah, oh, t'as peut-être raison, chérie, je ne sais pas. Oh, ça y est, alors, les deux alcoolos de la famille, les voilà, ils sont là. Chloé vient d'arriver. Alors, au fond du sac, il y a... Les petits doudous. Le petit doudou Moussaillon. Voilà. Il va agrandir ma petite collection. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai mis en petit... Alors... Bon, et ça vous dérange pas là que je suis en train de, hein, de faire ma petite vidéo? Alors, c'est du cidre. Je vous l'ai dit, non mais Normandie, c'est le cidre. C'est du cidre de Sassy Production. C'est écrit Mading Autriche derrière. Hein, je... ouais. C'est même pas écran français. 4% d'alcool. Bon, après, moi, je ne bois pas de cidre non plus. Mais Aurélie, c'est super sympa. On va les mettre au frais. Moi, mes enfants, ils adorent. Et Christian aussi, bien sûr. Et Chloé, bien évidemment. Bien évidemment, ma petite pochetronne. Vous savez ce qu'elle fait, Chloé? Je ne sais pas si vos enfants font ça, les vos ados. Hein, mais elle se, quand on boit l'apéro, moi je bois pas d'alcool, mais en général c'est très rare. Christian se prend un petit Ricard et moi je bois ou une Monster ou un truc comme ça. Eh ben Chloé, elle se prend une petite bière sans alcool. Vous savez, comme les pochetrons là, avec sa petite bière là. Comme ça là, sa petite, comment ça s'appelle ta bière sans alcool? Une Tourtelle. Une Tourtelle, voilà. Vous imaginez la dégaine, 17 ans. Voilà, hein. Eh bien, merci Aurélie. Hein, voilà. On va les mettre au frais et ils dégusteront. C'est du cidre. C'est du cidre. C'est du cidre. D'où? Ben, je suppose qu'il est de Normandie. Non, mais d'où c'est pas écrit. C'est du semi. C'est écrit semi. C'est écrit en anglais. Tiens, ben, traduis-moi-le. Normandie Organic Semi Drive. Donc ça a été Sparkling, cidre, oui. Mis en bouteille en irrésistible, c'est même pas écrit en français. Normandie. Cidre normand. Du cidre. Cidre normand qui n'est pas produit en France. Mais si, l'étiquette, elle, je pense qu'il doit être vendu dans d'autres pays, c'est pour ça. Mais c'est sympa en petite bouteille comme ça. Enfin voilà, c'est assez sympa. Voilà. Et puis pour celles qui auraient vu le petit ouverture de cours de calendrier d'Aurélie. Et qui se serait posé la question, je lui ai mis dans son colis, donc hier, elle avait un petit paquet où elle avait des petits godets de peinture, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et je lui avais mis aussi avec des petits aimants, même le bleu, c'est des petits aimants. C'est des choses qu'on peut coller sous ces petits godets pour pouvoir les mettre dans sa palette et que ça ne bouge pas. Donc il y avait plusieurs tailles en fonction de la taille du godet, puisqu'il y a des godets ronds encore aussi. Et vous pouvez du coup coller l'aimant sous votre petit godet et pouvoir aimanter dans votre boîte. Voilà. Allez, tiens, la petite pochetronne, tu vas y mettre au frigo? Merci. Elle dit pas non en plus, hein. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle vidéo. Merci Aurélie. Merci. Je dis merci, mais j'ai payé, hein. Comptoir du scrap, Happy Little Fox, Arba et Marlène. Franchement,
Moi, je suis très content. Là, ils t'ont vu, Chloé. Non, mais. Je suis trop contente de mes calendriers de cette année. Franchement, super sympa. C'est la première fois que je prenais aussi bien Happy Little Fox que Comptoir du Scrap. Et je trouve que c'est des trucs super sympas. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. En tout cas, un bon samedi. Parce que vous êtes viré cette vidéo samedi à midi. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.